un tout dernier moment. Vas-y, commence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité Katéen. Je viens ce matin pour partager avec vous une exhortation dont le titre est « Veille sur la prophétie du retour de Jésus ». Veille sur la prophétie du retour de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'éclatement de ce super virus, le coronavirus, je ne cesse de recevoir des questions venant de part et d'autre, m'interrogeant sur ce qu'a dit Dieu en ce qui concerne cette pandémie du coronavirus. Et à peine encore ce matin, j'ai reçu encore un appel où on demandait quel était mon avis sur le coronavirus et quel était ce que Dieu aurait dit à propos. C'est pourquoi je vais répondre à toutes ces interrogations au travers de cette exhortation. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne mon point de vue sur le coronavirus, si je dis que j'ai un point de vue dessus, j'ai menti. Je n'ai aucun point de vue. Aucun. Je répète, j'ai aucun point de vue. Alors, à la question de savoir qu'a dit Dieu concernant cette épidémie, concernant cette pandémie du coronavirus qui devient un véritable casse-tête chinois. Vous savez, je fais cette exhortation pour tout le monde, mais particulièrement pour les enfants de Dieu. Et lorsque je parle des enfants de Dieu, je suis bien précis. Je m'adresse aux chrétiens qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais dire aux chrétiens ceci. Devant la multitude des interrogations, des questionnements qui deviennent aujourd'hui comme des pluies dans nos nations, dans nos contrées, dans nos quartiers, dans nos familles. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, sont paniqués. Pourquoi paniqués? Parce que ils passent leur temps à s'accrocher aux différentes informations qui circulent de part et d'autre. Ils sont là à la quête de l'information. À tel point que même les enfants de Dieu qui détestaient le journal télévisé, aujourd'hui ils deviennent des abonnés du journal. Donc ils ne laissent plus aucune information du journal passé. Ils sont là en train de suivre simplement pour avoir les suites sur le coronavirus. Oui, il y a plusieurs informations comme intox qui sont en train d'être véhiculées sur le coronavirus, parmi lesquelles il y a ceux qui disent que le coronavirus serait une invention chinoise.
dû au projet machiavélique des Chinois pour éradiquer certaines populations rebelles de la ville de Wuhan, parce que le gouvernement aurait compris que face aux différents projets nuisibles contre la population chinoise prévus, qu'il y avait une poignée de personnes dans en Chine, précisément dans cette ville où s'est déclenché le virus, qui faisait front à ce projet machiavélique du gouvernement chinois. D'un autre côté, il y a ceux qui disent que ce virus a été inventé, sinon fabriqué, par les Chinois en complicité avec les Français. Pour quel but? Point d'interrogation. Soi-disant pour une mission satanique dont les objectifs ne sont pas encore connus. Il y a également une tendance qui s'ajoute dans la liste pour dire que ce virus serait un coup monté de toutes pièces par les milliardaires du monde. Certains milliardaires du monde, dont la plupart se situeraient en Chine et dans d'autres contrées asiatiques. Pour quel but? Soi-disant que ces milliardaires, cette poignée de milliardaires ont reçu ou ont obtenu, je ne sais pas, des diamants ou des trésors qui sont vraiment rares sur cette terre, à tel point qu'ils ne veulent pas que le reste des autres grandes puissances ou milliardaires puissent en avoir. Alors, ils sont donc complotés à mettre à jour ce virus afin d'étouffer les autres milliardaires. D'un autre côté, il y a ceux qui disent une autre tendance encore qui s'ajoute pour dire, je disais qu'il y a une autre tendance qui dit que ces virus proviendraient des animaux. Certains ont mis en tête de page le pangolin. Voilà toutes ces différentes informations qui circulent de partout. Et à côté de ces différentes informations relevant du domaine politique, relevant du domaine sanitaire, il y a aussi un autre côté qui est le côté religieux. Du côté des religieux, la tendance affirme que ce virus serait un châtiment de Dieu sur les habitants de la terre à cause de leurs péchés qui viennent d'atteindre leur comble. Alors, face à toutes ces informations, que je ne dirais pas être fausses et que je ne dirais pas également être vraies, ce que moi, en ma qualité de ministre de Dieu, que je pourrais dire aux enfants de Dieu, c'est que les chrétiens, au lieu de passer leur temps à s'accrocher à toutes ces informations qui se véhiculent de partout, ils sont obligés, je dis de manière obligationnelle, parce que c'est un devoir pour tout chrétien face à une situation donnée, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit malheureuse. La parole de Dieu, la Bible, nous invite, nous chrétiens, je dis bien nous chrétiens, devant toute situation, la parole de Dieu nous donne une piste. Et la piste que la parole de Dieu nous donne, cette piste se trouve dans Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Que dit Proverbe 29, le verset 18? Nous allons lire la parole du Seigneur. Lisons ensemble. Il est écrit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Ceci est dans la version Lucega. Mais dans ma version, celle que j'ai souvent l'habitude de lire, la version Martin, qui est l'une des versions fidèles aux textes originaux, je vais le relire pour plus de précision. Alors, il est écrit dans la version Martin,
Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux celui qui garde la loi. Bien-aimés, vous remarquez ici que ce proverbe nous donne un conseil à nous qui sommes de Dieu, que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de vision, les enfants de Dieu sont invités à recourir à la loi de Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Ainsi, devant ce virus, cet événement du virus qui est en train de régner de partout, nous avons besoin de recourir à la parole de Dieu avant de nous permettre de tendre nos oreilles aux différentes informations qui circulent tant sur les réseaux sociaux que dans nos télévisions ou ailleurs. Les chrétiens doivent faire un recours à la parole de Dieu, à la Bible qui les tient. Pourquoi recourir à la Bible? Parce que actuellement, le monde entier est dans une panique. Tout le monde cherche à avoir une information. Tout le monde est troublé et les hommes et les femmes de famille cherchent où viendra la solution, où viendra le remède contre le coronavirus. Mais à nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible déclare dans Proverbe 29, verset 18, nous devrions trouver des réponses dans la parole de Dieu. Pourquoi dans la parole de Dieu? Ecclésias nous dira encore quelque chose de merveilleux. Dans Ecclésias 1, le verset 9, il est écrit, je cite, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le verset 10, s'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Voilà. Donc, ici encore, Salomon attire notre attention pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous pouvons considérer comme quelque chose de nouveau sur la terre, il dit, oh, ça s'est déjà accompli dans le siècle passé. Ce qui nous invite, bien-aimés, dans le Seigneur, à dire à haute voix que le phénomène du coronavirus, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène ancien. Et si nous fouillons à l'intérieur de notre passé, nous allons remarquer que il y a un événement semblable. Il y a un événement semblable. Et la parole de Dieu, la Bible que le chrétien, toi qui es en train de m'écouter, que tu tiens là, contient cet événement-là. Nous allons le démontrer tout à l'heure en lisant la Bible. Parce que Ecclésiaste 1, 9 à 10, 1, verset 9 à 10, nous donne une piste. Et la piste que Ecclésiaste nous donne est de comprendre que il existe dans la parole de Dieu certaines analogies concernant des événements qui se déroulent sur cette terre. Lorsque nous parlons de l'analogie, pour faciliter la compréhension, nous voulons parler ici des événements ayant certaines ressemblances. C'est-à-dire, c'est comme une comparaison des événements. Ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Pour dire, sur le fond, plutôt dans la forme, c'est un événement, mais dans le fond, l'événement aura des réalités différentes. Mais en réalité, si nous suivons attentivement, nous allons comprendre que l'événement, sinon le coronavirus, n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour cette raison, nous allons le comprendre avec la parole de Dieu dans Matthieu 2. Je vais lire Matthieu 2, du premier jusqu'au verset 5. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Le verset 6, et toi, Bethléem, terre de Juda,
Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Verset 7. Alors le roi Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Amen. Bien-aimés, nous remarquons ici, cette histoire des mages que nous connaissons très bien, que les mages ont quitté l'Orient, c'est-à-dire la Perse, l'Empire Perse, aujourd'hui devenu l'Iran, à cette époque de Jésus. Ils ont aperçu depuis la Perse une étoile en direction de Jérusalem. C'est-à-dire, eux étant en Orient, ils ont aperçu l'étoile annonçant la naissance d'un roi juif à l'ouest par rapport à l'Orient, c'est-à-dire en Occident. Alors, les mages vont donc quitter l'Orient, leur pays, la Perse, pour se rendre en Israël à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître. Ce qui doit attirer notre attention dans Matthieu 2, c'est la venue des mages. Ils quittent leur pays parce qu'ils ont vu un signal qui leur a démontré, qui leur a indiqué qu'il y a un événement nouveau qui vient de se manifester sur la terre. Quel est cet événement nouveau? La naissance d'un roi juif. La question que nous devons nous poser ici, comment les Perses, qui n'étaient pas des juifs, peuvent-ils s'intéresser à un roi qui n'est pas de leur nation, un roi qui n'a rien à voir avec leur patrie? Chose curieuse, c'est que ces hommes, ces mages, contrairement à ce que dit les ignorants, permettez-moi l'expression, il est démontré dans l'histoire que ces mages n'étaient pas des astrologues, ni encore des sorciers, ni encore des magiciens. Parce que le monde aujourd'hui souffre d'une maladie, celui de la connaissance. On prétend parce que c'est le mot mage, donc forcément c'était le magicien. Non, le mot magicien a été créé, excusez-moi, à partir du mot mage. Mais le mot mage a été un mot inventé par les Perses qui signifie un sage, qui signifie dans un autre côté un astrologue, qui signifie dans un autre contexte un prêtre ou simplement un savant. L'histoire nous démontre, nous avons des preuves avec l'historien Flavius Joseph qui a également écrit une histoire confirmant le récit de la Bible, alors que Flavius Joseph n'était ni chrétien, ni encore disciple de Jésus, mais il était un juif ancré dans le judaïsme, et un juif qui militait pour le judaïsme. Il confirme l'histoire de Matthieu, il confirme qu'également c'était des mages qui étaient arrivés, mais non des magiciens comme tels, mais des simples sages. Et des découvertes archéologiques également ont montré que ces mages étaient au nombre de trois. Et ils étaient des rois, ils vivaient dans ce qui est en ce qu'on pourrait appeler par l'Empire Perse. Et chacun d'eux vivait dans cet empire, dans son, s'il faut appeler ça, dans sa tribu. Et chacun d'eux était roi dans sa tribu. Et le territoire où les trois rois ont vécu et qui a également servi de point de départ de la Perse pour Israël, à un nom, ça s'appelle Sébé ou Saba. Et jusqu'à aujourd'hui, en Iran, ça existe. Précisément, dans les contrées de la capitale iranienne, Téhéran. Ce point existe. Donc, ces mages étaient spécialisés dans l'étude, non de l'astrologie, mais dans l'étude, selon l'histoire des autochtones de la contrée, spécialisés dans l'étude de l'astronomie. C'est-à-dire, ils étudiaient des astres sur le plan scientifique et non sur le plan occulte,
comme veut nous le faire croire les astrologues. C'est différent. Il y a une différence entre l'astrologie et l'astronomie. Alors, les mages étant doués dans l'étude des astres sur le plan scientifique, ils avaient fait un constat qu'il y avait une étoile qui brillait dans le ciel. Et cette étoile brillait en direction de l'ouest de la Perse. Alors, étant donné que non seulement qu'ils étudiaient l'astronomie, mais ils avaient également la capacité d'expliquer des énigmes, d'expliquer des songes, d'expliquer des rêves, en voyant l'étoile, ils se sont référés à quelque chose. À quoi donc? Aux prophéties laissées par leur prophète Zoroastre, parce que en Perse, parmi les religions existantes, il y avait une religion, le zoroastrisme, qui régnait également en Perse. Et cette religion, étant quoi que étant polythéiste, est une religion qui mettait en valeur un dieu suprême. Et le prophète perse Zoroastre avait prophétisé que dans la suite des temps, qu'il y aura la naissance d'un roi. Et ce roi qui naîtra sur la terre, c'est lui qui viendra apporter la paix sur toute la terre. Et avec ce roi, tout ce qui est injustice, inégalité disparaîtra. Donc, les Perses déjà, connaissant cette prophétie donnée par leur prophète, veillaient à l'écriture, veillaient à la prophétie de leur prophète. Voilà pourquoi dans mon exhortation, j'ai dit que le terme de cette exhortation était « veille ». Sur la prophétie du retour de Jésus. Eux qui étaient un peuple qu'on peut dire païen par rapport aux juifs, mais ils veillaient à la prophétie annoncée par leur prophète. Est-ce que nous, chrétiens, veillons-nous réellement aux prophéties contenues dans la Bible? Je mets un grand point d'interrogation. Alors, ils ont vérifié les écritures de leur prophète et voyant l'étoile, ils ont essayé de faire une concordance d'autres éléments cités par leur prophète Zoroastre en face à l'étude qu'ils étaient en train de faire sur l'étoile qu'ils étaient en train de voir. Et ils se sont rendus compte également que ce que le prophète a annoncé, c'était effectivement ce roi qui vient de naître par rapport à l'étoile. Et ce qui les amena à quitter la Perse pour se retrouver en Israël, auprès du peuple à qui était destinée la promesse de la venue du Messie qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ce qui est curieux, lorsque les mages arrivent en Perse, plutôt en Israël, le mage étant dans la quête du lieu où est né ce roi des Juifs, il s'attendait à ce qu'en arrivant, que tout le peuple juif soit déjà aux aguets, que tout le peuple juif soit déjà au courant, informé de la situation. Malheureusement, ils viennent trouver un peuple qui ne s'occupait même plus de cette prophétie. C'est vrai que la prophétie était, mais cette prophétie était simplement à l'intérieur des têtes des populations juives, mais elle n'était plus à l'intérieur de leur cœur. Alors, en questionnant de part et d'autre de la ville où était né le roi de Juifs de naître, le peuple était dans le trouble. Le peuple se demandait encore, mais que disent ces gens, ces étrangers? Jusqu'à ce que la nouvelle parviendra aux oreilles du roi Hérode. Qui va donc, c'est le roi Hérode. Là, maintenant, nous sommes en face d'un grand sorcier comme Hérode, qui va donc avoir l'intelligence de comprendre le message des étrangers. Alors, Hérode va donc rassembler ceux qui étaient censés sensibiliser le peuple sur les prophéties de Dieu, surtout sur la naissance du Messie, qui était vraiment, vraiment attendu en Israël pour le salut du peuple. Et non seulement du peuple, mais également de toute la terre. Hérode, le sorcier, Hérode, que nous qualifions d'être l'incarnation du diable, c'est lui qui va avoir la révélation. Contrairement aux autres, aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, aux scribes et aux anciens du peuple qui étaient là, qui faisaient le fanfaron, qui marchaient devant eux. Eux, ils étaient dans le flou, ils n'ont pas compris. Mais Hérode, lui, qui est l'incarnation du diable, a compris. Et il va rassembler les autorités religieuses d'Israël, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sanhédrins, les anciens, les scribes, les gens intelligents, les docteurs de la loi. Il va les rassembler pour demander, est-ce que les informations rapportées par les mages, les étrangers, étaient sûres et exactes?
Une fois que ceux, les anciens du peuple, les gardiens soi-disant des prophéties de Dieu, ont repris conscience, ils ont examiné et ils se sont dit également, oui, les étrangers ont raison. Oui, ce que disent les étrangers est exact. Ils ont calculé par rapport aux prophéties de la Bible concernant l'histoire de Jésus et effectivement, le temps où les masses sont arrivées à Jérusalem était vraiment ce temps qu'avait annoncer, sinon prophétiser les prophètes de l'Ancien Testament en ce qui concerne la venue, la naissance du roi des Juifs, du Messie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 2 nous met encore sur une nouvelle piste. Coronavirus sort d'où? Si nous nous réfléchissons un peu, le coronavirus sort d'où? Nous avons dans le monde, on a l'Afrique, on a l'Asie, on a l'Europe et on a l'Océanie et l'Amérique. Alors, parmi tous ces continents, quel est le continent? Si on essaie de définir, donner la définition de ces continents, on n'a que deux continents. Il y a un continent qui porte le nom de l'Est, il y a un continent qui porte le nom de l'Ouest. Le continent qui porte le nom de l'Est, nous le connaissons, c'est le continent asiatique. D'ailleurs, le mot « Asie » signifie le lever du soleil. Or, là où le soleil se lève, c'est l'Est, autrement appelé l'Orient. Et de l'autre côté, là où le soleil se couche, on appelle l'Occident. Et si vous regardez, pour ceux qui font l'étude des prophéties bibliques, je parle ici l'étude dans l'esprit juif, je parle des rabbins juifs, je parle des docteurs de la loi juive. Docteurs de la loi juive font une différence. Lorsque eux, ils parlent de l'Occident, dans l'Occident, ils englobent toutes les nations qui sont hors d'Israël, c'est-à-dire toutes les nations qui font partie de ce qu'on appelle l'Europe. Peut-être que vous serez curieux, mais je vous apprends aujourd'hui que les États-Unis ont été créés par les Européens. Donc en réalité, les États-Unis existent, mais comment se fait-il que les États-Unis soient la grande puissance, mais les grandes décisions du monde ne puissent pas venir de l'Amérique, mais puissent provenir de l'Europe? Cela doit nous attirer, bien aimés. Donc, pour les rabbins juifs et les savants juifs, que on a que l'Asie et nous avons le continent européen. Mais là, les autres continents là ne sont que des continents complémentaires qui doivent choisir leur lieu. Les mages ont quitté l'Orient parce que de l'Orient ils ont vu que le salut était à l'Occident. Mais dans l'inverse, aujourd'hui, la maladie nous quitte de l'Orient pour attaquer l'Occident. Je ferme la parenthèse. Je vous laisse étudier la parole. Réfléchissez. Qu'est-ce que cela signifie? Mais en ce qui revenant sur notre terrain, en ce qui concerne le coronavirus. Alors, puisque la Bible dit que rien de nouveau sur terre, alors, vous allez remarquer aujourd'hui, l'arrivée des étrangers dans le territoire de Dieu pour réveiller le peuple de Dieu qui avait la promesse doit également aujourd'hui interpeller tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu du monde entier. Parce que nous ne comprenons pas que derrière le corona se cache un événement que les gens, auquel les gens ne prêtent pas attention. De même que les mages ont quitté l'Orient pour se rendre en Occident pour adorer un roi qui vient de naître, le roi qui est censé apporter la paix sur la terre. De la même manière, aujourd'hui également, l'événement du coronavirus nous prépare deux choses. Nous prépare, un, l'arrivée d'un roi qui doit venir régner sur la terre en qualité de dictateur, et d'un côté, d'un véritable roi qui doit vraiment apporter la paix sur la terre. Le premier roi qui doit régner en qualité de dictateur est l'Antichrist, et le deuxième roi qui doit régner en qualité du véritable propriétaire de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a deux venues ici que le coronavirus est en train de nous annoncer. Mais ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres s'efforce à dérouter l'attention du peuple de Dieu, à comprendre, à être attentif aux événements qui se passent pour que nous soyons figés aux accessoires, alors que l'essentiel se trouve ailleurs. Alors, c'est pour cela. La question aujourd'hui, ce n'est pas d'être là, à être des soi-disant humanitaires, soi-disant soucieux, à prier, à pleurer pour ceux qui souffrent, à pleurer pour ceux qui meurent sous le corona. Nous ne disons pas que c'est mauvais de prier pour ces personnes, mais l'essentiel, c'est que chacun de nous prendre conscience, à comprendre à quel temps nous sommes. Parce que Salomon a dit, lorsque tu es dans le bonheur,
Réjouis-toi. Mais lorsque tu es dans le malheur, il dit réfléchis. Pourquoi seulement dit réfléchis? Il dit réfléchis. Réfléchis pour chercher à comprendre la source du malheur. D'où vient le malheur? Déjà, ceux qui pensent que ce malheur, ce corona qui frappe la terre vient de Dieu, nous disons faux. Nous allons parler par la suite. Dieu n'a rien à voir avec le corona. Mais nous devons simplement faire attention. Qu'aujourd'hui, au lieu que les enfants de Dieu soient sensibles, comprennent le temps où nous sommes arrivés et quel temps sous le plan prophétique concernant les prophéties qui ont été annoncées sous le retour de Jésus, mais nous rentrons dans une sorte d'humanisme. Oublions également que d'un autre côté, on nous invite à veiller et à prier, à garder notre statut de sentinelle. Parce que à force d'être sentimental, nous finirons par rentrer dans l'humanisme qui va nous détacher du spirituel pour nous amener dans le charnel. Parce que dans le charnel, on va commencer à voir des choses comme des humains. Mais la Bible nous demande à ne pas voir les choses comme des humains, mais à voir des choses comme étant des fils de Dieu, c'est-à-dire comme étant des hommes spirituels. Chose que nombreux aujourd'hui, parmi les chrétiens, ne font plus. Oui, ne font plus. Parce que c'est quand même curieux aujourd'hui, pendant que le corona a commencé, avant que le corona prenne son ampleur, les chrétiens étaient où? Les chrétiens ne géraient pas. Les chrétiens citaient les versets bibliques. Au nom de Jésus, ça ne va pas me prendre. Au nom de Jésus, ça va me prendre. Alors que pendant qu'on disait aux chrétiens, prions, prenez garde, parce que ce mois de mars sera pas un bon mois. Faites attention, nous qui avons eu à enseigner ces choses, on nous a traité de tout. Nous qui avons enseigné ces choses, on nous a dit qu'on était des rêveurs. On nous a dit qu'on était ceci ou cela. Mais aujourd'hui, le mois de mars a confirmé que ce que nous avons dit n'était pas faux. Que nous avons, en tant que sentinelle, sensibilisé le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, chrétien, toi qui m'écoutes, où es-tu? Que penses-tu maintenant? C'est le temps de revenir sur la Bible. C'est le temps de méditer nuit et jour ta parole, de veiller sur les prophéties, sur le retour de Jésus-Christ. Car aujourd'hui, de la même manière que les mages ont compris, avant même les enfants de Dieu, que Jésus est né, aujourd'hui encore, nous voyons comment dans le monde, comment tout le monde se sensibilise à invoquer Jésus. C'est quand même pitié de voir l'Italie sortir, briser même la loi du confinement, pour se prosterner à l'air libre, pour invoquer Jésus, afin que Jésus vienne leur sauver. Ça ne vous étonne pas, alors que soi-disant en Italie, là-bas existe celui qui est le représentant de Dieu, qui a même fui son lieu de gouvernance à cause du corona. Les gens, le peuple est abandonné, parce que le berger a laissé son peuple. Alors que le peuple italien a compris que l'OMS ne peut rien, l'ONU ne peut rien, l'argent, les milliards prévus soi-disant pour soigner, les cas ne peuvent rien. L'unique source, l'unique solution, l'unique sauveur face au corona reste le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils sont sortis. Combien même, je ne suis jamais vu, bien aimé dans le Seigneur. RFI se permet aujourd'hui de laisser le micro baladeur à tout le monde pour dire qui avait reçu une révélation venant de Dieu concernant le corona. Si tu es là, venez, on a besoin de ces révélations-là. Ça ne vous étonne pas. Que Proverbe 29, verset 10 dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est son frère. Répondez à RFI que la solution se trouve dans la parole de Dieu. Pourquoi RFI? C'est étonnant. Il y a eu des prophéties qui ont été données ici concernant les choses. Jamais passées sur RFI, jamais dites. Mais ce qui est curieux aujourd'hui, le corona amène nos médias à pouvoir rechercher les visions de Dieu. Alors bien-aimés, cela doit nous interpeller. Les païens commencent à comprendre. Mais toi, chrétien, jusqu'alors tu ne comprends toujours pas. Jusqu'alors tu es encore loin des prophéties bibliques. Jusqu'alors tu es encore anti la lecture de la Bible. Mais les païens ont compris que c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Église de Dieu, veille sur la prophétie du retour de Jésus. Jésus n'est plus loin. Les signes démontrent qu'il vient. Comment te prépares-tu? Comment te prépares-tu? Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans le corona. Nous sommes toujours dans le corona. Alors, nous allons encore prendre une nouvelle piste pour montrer l'événement du corona actuel avec un événement déjà annoncé dans la Bible pour voir que
il y a des similarités entre le corona actuel et ce qui était déjà à l'époque de Jésus, précisément toujours à la naissance de Jésus. Et cela se passe avant que les mages ne viennent à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 2. Nous allons lire ce que la Bible nous informe en ce qui concerne cet événement. Lisons dans Luc chapitre 2. Nous allons nous arrêter vers un endroit qui nous, verset 7. Nous allons nous arrêter au verset 7. Alors, lisons dans le nom du Seigneur. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'ils étaient de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Voyez que si vous lisez avec un esprit prophétique ce passage de Luc 2, du 1er jusqu'au 7e verset, vous allez remarquer que ce passage a des grandes similarités avec ce que le monde entier est en train de subir, sinon de vivre actuellement avec l'événement du corona. Luc dit ceci. Avant la naissance de Jésus, avant l'arrivée des mages en Israël, il dit, la grande puissance qui dominait le monde à cette époque, appelée l'Empire romain, avait décrété un recensement de toute la terre. Pour ceux qui ont le dictionnaire à la maison, vous savez ce que c'est un recensement. C'est-à-dire, l'Empire romain avait besoin de recenser, de connaître dans les différentes colonies, sinon dans les différents territoires qu'ils ont eu à coloniser, combien était sa population, et ils voulaient également avoir une précision sur qui faisait partie de l'Empire romain et sur qui ne faisait pas partie de l'Empire romain. C'est à peu près ce qui s'est passé chez nous lors des colonisations. La France avait ses colonies, la plupart des pays africains étaient des colonies françaises, et ces pays n'étaient plus appelés pays comme tels, mais on les appelait comme les membres du gouvernement français. C'est la même chose à l'époque de l'Empire romain de Luc 2, avant la naissance de Jésus et avant l'arrivée des mages en Israël. Donc, l'Empire romain faisait un recensement. Donc, mais pour ces recensements, ce qui concorde avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est que la loi avait décrété que ces recensements ne devraient pas se faire de manière anarchique, mais chaque individu devrait regagner sa patrie mère. Je pense que vous comprenez là où je vais arriver. Chaque individu, donc si toi, tu appartenais à Jérusalem, mais tu vivais là-bas en Égypte, de l'Égypte, on va te refouler pour que tu retournes dans ton pays mère, afin que c'est là dans ton propre pays que tu es recensé. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, tous ceux qui étaient en Israël, qui n'étaient pas juifs, devaient retourner dans leur pays. Si tu étais en Perse là-bas, tu es égyptien, tu devais quitter la Perse pour venir en Égypte. Et cela nous ramène chez nous aujourd'hui, puisque ce qui s'est passé dans Luc, c'est ce qui était. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce qui est. Ce qui est, c'est également le même recensement que nous sommes en train de subir. C'est que il y a une loi mondiale qui a été donnée par la grande puissance qui domine toutes les puissances. La loi, c'est que chaque individu doit retrouver sa patrie mère. Et au lieu d'appeler ça recensement, aujourd'hui, on appelle cela confinement. Donc, chacun se retrouve chez soi. C'est chez soi que nous serions recensés. D'ailleurs, pour les pays développés, c'est un recensement, puisque chaque famille se retrouve bloquée dans sa maison, et l'état de recensement, c'est que dans tel endroit, c'est X famille qui est là. Et à l'intérieur de chaque parcelle, l'état enregistre des individus.
pour faire comprendre que nous vivons les mêmes réalités qui se passent. C'est ça, la même réalité. Hier, c'était recensement sur toute la terre. Aujourd'hui, c'est confinement sur toute la terre. Partout, il y a confinement. Donc, rien n'est nouveau, comme a dit Salomon. Ce qui était, c'est ce qui est. Mais seulement, certains événements changent. C'est pourquoi nous parlons du confinement. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Nous sommes confinés. Alors, ça, c'est le premier point. En ce qui concerne, avant l'arrivée de Mars, avant la naissance de Jésus, les recensements qui donnent naissance au confinement. Et chaque individu retourne son pays, son village natal où il est né. On a vu en Chine, ceux qui étaient des étrangers ont été rapatriés. Nous l'avons vu en France, nous avons vu de partout. Donc les non-natifs ont regagné leur patrie. Pour se retrouver parce que chaque État a eu besoin de recenser sa population. Deuxième élément, pendant que l'Empire romain était en train de faire ses recensements, dans les coulisses, quoi qu'on voulait enregistrer des individus pour que le gouvernement romain puisse avoir la précision sur qui et qui appartenait à l'Empire romain et qui n'appartenait pas, c'est-à-dire à la recherche des clandestins. Il n'y avait pas seulement des clandestins qu'il fallait rechercher, il y avait également des rebelles, ceux qui ne voulaient pas se soumettre aux dictats, sinon aux lois de l'Empire romain. Et dans chaque colonie, comme nous le savons, par rapport à ce qui s'est passé chez nous en colonisation, nous, lors des colonisations, disons ce qu'on appelle par l'empire colonial, il y a eu une expression pour qualifier ces rebelles. On les appelait des résistants, autrement dit des mouvements de résistance africaine, qui se levaient, qui ne voulaient pas de cette colonisation dans leur pays. De la même manière aussi, dans les différents contrées, dans les différents pays où Rome a eu à annexer, il y a des mouvements résistants, des rebelles qui se sont soulevés. Alors, ce recensement, pendant qu'on recensait d'une part, de l'autre part, dans les coulisses, il y avait des armées, il y avait des soldats romains, ce que nous pouvons appeler aujourd'hui par des mercenaires, qui ont été déployés afin d'être à la pourchasse de ces mouvements rebelles pour les neutraliser. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je le dis, et je sais que ce que je dis est vrai. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, tôt ou tard, dans tous les pays où il y a ce confinement, vous allez remarquer que la plupart des gens, soit nommés opposants, vont commencer à disparaître ou à mourir. Et le prétexte sera, tout comme à Rome, lorsque les gens disparaissaient, on prenait le prétexte, non, c'est pas le recensement, ils étaient pas rejetés dans notre empire, on a fait ceci. Et aujourd'hui, lorsque vous entendez qu'un opposant a été tué, ou il y avait quelqu'un militant qui s'opposait au dictat de sa nation, a été éliminé, on dira simplement, non, il était atteint du corona. Alors que la réalité, ils ont été éliminés. Et ça va finir par s'accomplir dans les différents pays où il y aura vote de ce confinement. Donc, pendant un moment donné, donc, d'une part, l'État va jouer au recensement, au confinement, mais d'un autre, les mêmes États qui, bien sûr, sont au courant qu'il existe des rebelles, des opposants à leur régime, ils vont mettre en place des éléments, disons, les forces de l'armée, pour pouvoir faire la chasse des sorcières de leurs opposants. Alors, c'est pourquoi vous allez remarquer que même en Israël, il y avait un mouvement, plusieurs mouvements, parmi lesquels il y avait les zélotes qui s'opposaient à l'armée romaine. Et vous allez remarquer encore, ça veut dire que l'État romain à cette époque de Luc avait mis en place comme instrument de mise en application de cette loi du recensement des forces vives de la nation. De la même manière, aujourd'hui, nous voyons, dans tous les États où le confinement a été voté, on remarque que ce sont l'armée, les forces de l'ordre qui sont déployées pour faire établir l'ordre du recensement, plutôt du confinement. Et qu'est-ce que nous remarquons? Dans 100% des forces vives qui seront déployées, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura près de 80% qui ne seront pas déployées pour faire appliquer la loi, mais cela va jouer le rôle des mercenaires afin de traquer tous ceux qui seront contre les mesures gouvernementales qui seront prises dans leur pays. Voilà pourquoi ne vous sentez pas trop étonné de voir. «
Les annales du monde présentent une quantité d'hommes aux sentiments généreux, des philanthropes débordant d'altruisme. Si Jésus n'était rien d'autre qu'une de ces honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de lui. Jésus, mon sujet d'adoration. Seigneur, je veux t'adorer dans ces instants précieux. Alléluia. Toujours à tes pieds, je demeure. Toujours à tes pieds, je m'abandonne. Oui, Seigneur, mon divin roi, mon absolu, le sujet de mon adoration. Toujours à tes pieds, je demeure. Toujours à tes pieds, je m'abandonne. Oui, Seigneur, mon divin roi, mon absolu, le sujet de mon adoration.